nous récupère son outil de travail principal. Il y a du bon dans ça. Il y a eu très très bon. C'est que ces places là-bas sont couvertes. Et regarde ce qui n'est pas couvert. J'en connais un qui va être content. Moi, c'est surtout toi. Ouais. Ah, mais moi aussi. Hein, non, mais tu sais, je fais des gens en mode, tu regarde, lui, il va être content. Mais moi, le matin, je me gare là-bas maintenant. Hi. Après tant d'années passées ensemble, sur la route, chez le grossiste, à transporter des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers même, de paquets, tout ce qui reste, c'est un emplacement vide. Je fais pas partie de ceux qui pensent que les objets ont une âme, mais étant donné que Wall-E, c'est mon Pixar préféré, je me dis que peut-être qu'il avait des sentiments aussi, et peut-être que ses sentiments sont partagés, peut-être que... Il va nous manquer, il va me manquer, mais il va manquer à toute l'équipe, je le sais. Ce camion qui nous a tant servi durant tant d'années. Il a jamais failli à la tâche. Jamais on l'a emmené chez le garagiste. Jamais on a eu un accident. Il a toujours été là, il a toujours été présent pour transporter quoi que ce soit, pas que du Candysan, mais il a fait les déménagements de presque toute l'équipe d'ici Japon. Il va nous manquer. Une place vide. Tout ce qui reste. Il doit nous prendre vraiment pour des teubés. Mais c'est un mec de la famille ou pas? Non. Ah merde! Oh! C'est marrant le timing. On ouvre un nouveau magasin qui remplace Candysan et il y a le camion de Candysan qui part vers l'infini et au-delà. Vers l'infini. Je suis encore sous le choc, peut-être un jour on en rachètera un camion. En vrai c'est bien pratique. C'est juste que là on n'a pas besoin d'un camion réfrigéré. Il nous a bien servi pendant 3 ans sur Candysan. Ses aventures. Ouais, j'espère qu'il va avoir un propriétaire Et maintenant chaleureux. Demain on va pouvoir acheter une mini sport à 600 000 yens, elle est trop cool. En vrai 600 000 yens ça va. Oui bah c'est un mec qui est cool, un japonais qui vend des voitures sportives un peu retravaillées. Non mais attends, je disais rien mais non. Tout le monde s'est posé la question pourquoi il a plus de cheveux. Ah oui, nous aussi on s'est posé. Nous aussi on se les posait et quand on lui a demandé il a dit non mais mec c'est trop l'entretien, les cheveux faut les laver et tout. Oh comment tu es en train de déformer. T'as dit quoi? C'est trop d'entretien. Mais non, mais je l'ai déjà dit plein de fois, le casque, il a détruit ma perruque. Ah, c'est si ça. Si j'étais un mec qui faisait pas de la moto tous les jours, genre matin et soir, c'est parfait. Je mets le casque et à chaque fois, ben, j'ai perdu la moitié des cheveux. Donc je ressemble à ce que je ressemblais quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Le mec, il a réussi, même avec une perruque, à avoir une calvitie. À se faire niquer. Du coup, pour qu'on soit raccord sur l'emploi du temps, aller loin. Demain, il y a quelqu'un qui vient prendre des photos pour l'hôtel. Jeudi, il y a les gagnantes du concours qui arrivent déjà. Oh, nice. Donc c'est après-demain, je vais les chercher à l'aéroport le soir. Ce soir, pour le live, vous deux. Ouais. Pour Tokyo Kart. Et Léo, toi, stickers. Aujourd'hui. Ouais, faut jouer avec Tristan pour les stickers. Pour, tu sais, les traductions des boutons en japonais à l'hôtel. Et surtout, cette semaine, c'est le lancement de notre nouvelle boutique. Enfin, ce que vous allez voir dans cette vidéo, là je suis entre deux étagères vides, mais j'espère que ça va pas rester vide longtemps, c'est la création de notre nouvelle boutique. On vous tisse ça depuis des semaines et des mois, vous allez enfin savoir de quoi il s'agit. Vous allez connaître le nom de la boutique, il y aura un lien dans la description pour vous y rendre et nous dire si vous aimez, si vous aimez pas, vous allez aimer de toute façon. Ce que vous allez voir, c'est le fruit de réflexion et d'organisation de plusieurs semaines, mois, pour en arriver juste au début, au lancement de la boutique, qui est un projet qui va se développer sur plusieurs mois et années. Donc là, vous voyez vraiment la genèse du truc, le lancement, et après, bah, on va essayer de grossir le plus possible. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce déballage épique. Concurrent numéro 1, moi. Concurrent numéro 2, moi. Caméraman numéro 1, moi. C'est moi qui commence. Oh, c'est moi, oui. Allez, on commence par la première ouverture, qu'est-ce que c'est? Oh, ma console préférée, la Game Boy. C'est la Game Boy Light qui n'est jamais sortie en France.
Ah. Sorti en 98, la même année que la Game Boy Color, sauf que la Game Boy Color n'est pas rétroéclairée, ça n'a aucun sens. Oh, concurrent numéro 2, quel est votre objet? Regardez ça, mesdames et messieurs, une console de Kodak. Mais... normal, quand tu secoues un peu, ça fait... Non. C'est une Super NES. Wow. Neuf. Grise parfaite. Regarde-moi ça. C'est toujours comme ça, hein. Sur ici Japon, on fait des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent, qui nous amusent, qui nous excitent. Mais c'est vraiment l'entreprise coup de cœur, quoi. Vendre des jeux vidéo, c'est... Au début, je m'étais un petit peu interdit de le faire. Bon, déjà, on n'y pensait pas parce qu'on n'avait pas la place, on n'avait pas les locaux, on n'avait pas le personnel. Et c'est vraiment la fin de Candy-san, quand on a vu un gros espace vide et des gens sans travail, qu'on s'est dit, bon... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voulais toujours que ça reste un plaisir, une passion, entre guillemets, plutôt qu'un travail. Mais finalement, après le recul, je me dis qu'avec le projet musée, avec le projet de collection au Japon, etc., c'est vachement cohérent de faire ça aussi, et ça nous aide dans les autres projets parallèles. La Dr. Smith, personne n'a jamais entendu parler de ça, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais l'état! Wouah! Bon, lui met 3 heures à ouvrir, hein, moi j'en profite. J'ai une canne à pêche. C'est un genre de Game & Watch, mais sur une canne à pêche. Mmh. Il est neuf. Electronic Sports Game Baseball. Non. Putain, il y a même putain, les piles et tout. Ouais, il est un vraiment... casque du T51. Oh là là. Putain, cette dinguerie. Ça se vend ça ou ça se garde Ça, ça. D'ailleurs, il y a un truc qui est un petit peu difficile, c'est que c'est très dur de revendre des trucs que j'aimerais avoir dans ma collection sur le nouveau site. Du coup, à chaque fois qu'un objet arrive, c'est est-ce qu'on le revend, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pour le projet Odyssée, on sait pas trop. Le truc qui est sûr, c'est que vous aurez beaucoup plus de choses en ligne que j'ai déjà. Par exemple, le Virtual Boy, j'en ai 4. Du coup, ça me gêne pas d'en vendre. Pareil pour la console Pippin d'Apple. Enfin, toutes les consoles que j'ai, en fait, voilà, c'est facile de les vendre. Les jeux vidéo que j'ai, c'est facile de les vendre. Les restes, je vous avoue qu'on se pose la question. Un chasseur, ça sent chasser la fougère. Faut savoir chasser sans son chien qui mange des patates pousses. C'est ouf comme une voix, ça te change la personnalité. T'as pris plus de en charisme là. Cette année 2023, tu vois, là, on a commencé, on a fait Tokyo Card. En vrai, je trouve que c'est un super bon nom. Ah ouais? Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse Tokyo. Tokyo Games? Oui, non, déjà fait. Non, faut que ça commence par Tokyo du coup, tu vois. Faut que toute cette année. Oui. Il y aura du jeu vidéo. Des jeux, des vieux jeux Nintendo. Donc, Tokyo Culture. Ah oui. La radio Tokyo Culture. Ouais, c'est Tokyo Culture, c'est bien, ça fait TC comme Tokyo Card. Moi je dis, ça pourrait être intéressant d'avoir un truc, tu sais, en rapport alors, avec la carte. Alors, ChatGPT, trouve un nom pour ma nouvelle boutique de jeux vidéo japonais commençant par Tokyo. À la vie de ta mère, tu te dépêches. Tokyo Arcade, Tokyo Game Center, Tokyo Tekken Empire, Tokyo Joystick, Tokyo Gamer 7. Tokyo Pad. Tokyo Pad. Tokyo Pad. Tokyo et Pad. Tokyo Hub. Vous connaissez un site, vous, qui fait une référence directe avec le Hub? Personne n'a l'idée. Non? Tu mets Corn Hub. Non, mais il a vraiment regardé Corn Hub. On sait jamais, si c'est pas pris, faut le vendre. Hein. Et tu vends que du maïs dessus. Attends, mais non, mais le mec a vraiment fait la vanne. Je suis mort. Attends, on lance une vidéo pour voir. C'est trop long. Non. Cobain Langeman des fois. Corn is so big. Essaye Tokyo, Tokyo Loot. Parce que Tokyo Loot. Ah, c'est pas bien, c'est pas mal du tout. Tokyo Loot, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, j'aime bien. Parce que là, ça fait tout en fait. En plus, Tokyo Loot, j'aime beaucoup. Tu peux vendre n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment lié au jeu vidéo, de loot un truc et tout. Et c'est disponible, donc c'est parfait. Regarde, ça va être dispo. Attends. Non, mais il a mis Tokyo Loot. Oh, Tokyo Loot. Moi, je préfère Loot avec un S. Donc, pour moi, c'est mieux. Tokyo Loot, je trouve que c'est pas trop mal. Tokyo Loot. Tu vas sur Tokyo Loot, tu vas sur Tokyo Card. TokyoLoot.com. Non, moi, j'aime bien Tokyo Loot. Ouais, moi aussi. Tokyo Loot, ça, c'est cool. Validé. Tokyo Loot, c'est rare qu'on soit tous plus ou moins d'accord. Et surtout aussi rapidement, trouver un nom, c'est cool. Sinon vous allez rester quoi la boîte l'après-midi? Moi j'ai envie de te regarder travailler pendant 3 heures. Si tu veux, c'est tellement libre. Ah bah écoute, on peut toujours s'arranger. Corn Hub. Ouais. Ok. On est vraiment sur les dernières finitions, là en l'occurrence les accroches serviettes. Et puis comme c'est les vacances scolaires, j'en profite, j'ai de la main d'œuvre gratuite. Non, en vrai, il faut les jeunes, les former, il faut qu'ils sachent tenir un marteau, il faut leur faire faire le plus de trucs possible quand ils sont jeunes, comme ça après ils savent... C'est bien, maintenant il faut faire mettre les vis.
y en a un qui est pas forcément droit. Hein. C'est pas grave, ça se récupère. On est aussi en train, cette semaine, d'ouvrir l'hôtel ici Japon Village. C'est vraiment, avril, c'est vraiment la rentrée scolaire au Japon, c'est la rentrée pour nous aussi. Ouverture de l'hôtel, ouverture de Tokyo Loot. En plus, la semaine prochaine, on fête les 1 an de l'ouverture de notre chaîne Twitch. Je suis habillé en violet, rien à voir, mais il y aura un live spécial de 24 heures parce qu'on a ouvert le 9 avril notre chaîne Twitch. C'est vraiment, on a tout ouvert en avril. Le live, ce sera du 11 au 12 avril, normalement. Ça devrait être validé quand cette vidéo sort. Qu'est-ce que je disais? Putain, je m'en rappelle plus. Donc tout ça pour dire, en ce moment, ouverture de l'hôtel aussi, ici Japon Village. On est sur vraiment les dernières finitions, les micro-trucs de dernier moment. Mais ouais, on est prêt. Bon, c'est tout ça, d'ailleurs, moi, Anthony. Ouais, mité. Oh, une Game Boy Color. Et moi je contre-attaque avec une Game Boy Color, Jérémy. Oh, celle-là aussi elle est propre, hein. Oh, oui. Alors attends, parce que là c'est en deux parties. Nous avons d'abord le Family Computer Network System, mais surtout le Famicom. Attention l'état, on va découvrir ensemble, mais techniquement c'est du beau. Oh. Waouh. Elle est 9. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un modem, mesdames et messieurs, pour aller sur l'internet de 1985. Et du coup, tu la mets dessus, comme on voit là sur l'image. Ah ouais, j'avoue, tu la greffes dessus, t'as la manette qui se branche là, enfin le contrôleur. Oh, waouh ! Oh oui ! Complet de Pokémon. De Pokémon vert, Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon or et argent, Pokémon jaune et Pokémon... Il va falloir former tout ce beau monde à cette nouvelle activité. On vous a toujours montré depuis quelques semaines qu'on dit ça n'est vide. Ça n'était pas vide en fait. Ça fait des semaines qu'on accumule et qu'on se prépare à ce projet. Télébigame, vidéogame, omocha, soundtrack とか そういうもの全部中古だけど、まずその中に新しいのいっぱいある。そういうものが絶対気をつけて開けない。開けたら多分値段が半分になるとか。Il y a un truc qui est très difficile quand tu travailles avec des japonais, c'est qu'il y a zéro esprit d'initiative. Tu vois là, je demande alors qui est-ce qui ouvre, qui est-ce qui fait des notes? Elles sont 6, elles restent toutes les 6 comme ça sans bouger, il n'y en a pas une qui dit bah vas-y moi je note. Il y a que Nouri qui a dit ah bah moi je veux bien tester les consoles, ça a l'air cool tu vois. C'est tellement dur à gérer. C'est pour ça qu'il y a genre Akiko qui gère cette team là et qui décide toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais dans un esprit de japonais c'est impossible de dire bon bah ok c'est moi qui ouvre, c'est moi qui note, c'est moi qui teste. C'est horrible. C'est tellement dur. C'est horrible. Après quand elles font un truc elles le font très bien tu vois, c'est nickel. Mais hier j'ai regardé les ventes de chaussettes. Et alors? Ça se vend trop bien. On a sorti cette collection là il y a quelques jours. Qui a très bien marché d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi sur le fait que ça s'est très bien vendu et qu'il y a eu des très bons retours. La couleur verte va être restockée, on a déjà lancé un restockage parce qu'il n'y a plus que des grandes tailles là. Quand on a sorti les t-shirts, on a sorti les hoodies, on n'a pas du tout communiqué sur les chaussettes. Vraiment, elles sont incroyables, elles sont super confortables. Oui, je confirme. Et les couleurs, c'est une tuerie, il faut faire d'autres couleurs. Parce que justement, je voulais la bleue, pareil, j'avais Bonjour, pas la bleue. Je suis l'homme réaliste, tu te souviens que tu gagnes 20 centimes par chaussette? On va regarder question prix, mais pour voilà, moi... Parce que là, tu t'es en train de juste rappeler les choses, on gagne 20 centimes. Hein. C'est le game le plus horrible à faire, les chaussettes. On se fait 78 centimes par chaussette, par paire. Parce que c'est vrai que par chaussette, ça veut rien dire. C'est vrai qu'une fois qu'on enlève les taxes, qu'on enlève la... C'est pour ça, moi je vous dis... Pas d'expédition, les machins. Oui, oui, on peut... Ça reste... Bon, pour moi, c'est le bonus, c'est le petit truc qu'on a pour que le site soit beau, truc, mais... Putain, c'est vrai que... Aller vendre 9 euros et à gagner juste quelques centimes dessus, casse-couille, quoi. Au moins une fois sur deux, à chaque fois qu'on va faire un truc, on se rend compte que c'est trop cher. Et ça finit cette séquence sur un appel, histoire ouais. De changer. Tu sais, c'est un peu un running gag. C'est vrai. Les gagnantes du concours sont arrivées au Japon il y a quelques jours. Je suis allé les chercher à l'aéroport, on a passé un peu de temps ensemble, on a mangé ensemble, enfin, elles ont rencontré l'équipe et tout, elles ont visité ici Japon. C'était trop bien de les rencontrer. Je vous présente d'abord Mélissa, la gagnante du concours, qui est arrivée au Japon il y a 2 jours. 2 jours, ouais. En achetant un t-shirt. Merci à toi. Merci. Et avec sa sœur aussi, Natacha.
Et ça fait 2 jours qu'elles sont au Japon. Elles ont fait un petit tour avec le guide Keikaku. Apparemment, c'est bien passé. Ah, c'est pas génial. Et puis là, petit tour des locaux ici, Japon. Ça fait vraiment plaisir parce que beaucoup le disent, mais c'est vrai que quand on est sur YouTube, on voit beaucoup les gens, les abonnés, les gens qui nous suivent comme des chiffres en fait. On n'a pas de contact. Et de voir des gens, des abonnés qui arrivent au Japon, ça fait super plaisir. Et j'ai d'autant plus hâte de voir des gens arriver à l'hôtel et de voir un petit peu quel genre de personnes nous suivent. Qu'on discute, enfin, je trouve ça trop bien. J'ai vu qu'elle avait des cadeaux, elle l'a pas encore dit officiellement, mais j'ai vu des gâteaux dépasser du sac. Ah. Donc je sais pas si je voulais que... Oh vas-y, déballe. Hein, je déballe. J'espérais tellement qu'elle rapporte des trucs en vrai. Donc moi je viens de Bretagne, donc j'en ai profité également. Ah, merci. Ah. C'est-à-dire... Je suis normand. Des palais bretons, il y a nature et caramel. Oh. C'est incroyable. Des craquants caramel. Ça, c'est trop bon aussi. Oh, oui. Ah, moi je m'attendais à un paquet de gâteaux. C'est ça, ouais. Oh let's go. Let's go. Et un petit dernier, c'est pas à manger, mais c'est un ami de l'école qui fait des petites personnalisations d'objets. Frédéric, merci beaucoup. Enfin, je te dis merci en avance, ça se trouve c'est de la merde. Oh. Ah oui. Alors, on a beaucoup de fois notre logo avec des trucs, des créations. Et là, je pense que c'est une des meilleures fois. C'est incroyable, ça. L'atelier parisien. J'avoue. Non, mais c'est le mot. Hein, c'est une miniature sur YouTube. C'est un clin d'œil à Oberger et un peu l'histoire initiale de la chaîne. C'est stylé. Oh, Toriyama Akira. Non, j'ai envie de mourir. Il y a quoi là-dedans, d'après toi? La Sofa. Ah, d'accord. Ok. PS4, 3DS, quoi. D'accord. Nous sommes en 1984, Game & Watch de Nintendo. C'est Crab Grab et il est neuf. Vous êtes encore en train de faire ça? Bah ouais. Les geeks. Alors attention parce que ça c'est Donkey Kong aussi, c'est le premier Game & Watch avec la croix directionnelle qui a été inventée par Nintendo. Et après ça, les autres fabricants n'ont pas eu le droit de faire une croix parce qu'ils ont breveté ça. Ah les bâtards. Et jusqu'en genre pendant 20 ans quoi, personne n'a pu mettre de croix comme ça. Et je crois la vie de ma mère, je l'avais. Et je savais pas jouer. Oh, Tekken 3 sur PS1, je l'ai eu aussi. Tu sais que les gens qui achètent ce genre de boîte, c'est quand même des cool. Parce que ça coûte plus cher qu'une boîte normale. C'est une Game Boy? Exactement, c'est un jeu. Un jeu garçon. Oh, des Shonen Jump. Oh, c'est marrant, ils ont vraiment fait comme si c'était un Shonen Jump. Je comprends parce que je vais bientôt être à jour sur One Piece et je me dis peut-être que j'achèterai le Shonen Jump maintenant pour lire One Piece. Mais tu sais pas lire le japonais? C'est ça le truc. Bah voilà. La PlayStation 2. PlayStation. Oh, PS2 en boîte. Moins connu en Europe. Oh, il y a un jeu avec, il m'a mis un jeu, je me rappelle plus qu'il y avait un jeu. Conan, c'est marqué dessus sur Wonderswan. C'est marrant parce que les consoles que je viens d'ouvrir, c'est une Wonderswan. Ah, moi j'ai la normale, t'as la color. Ouais. On a quelqu'un qui s'appelle Atsuko qui travaille chez nous. Si je change le coup, tu le mets, ça fait Atsuko. Vous nous voyez toujours rigoler, et c'est vrai qu'on s'amuse bien. Mais c'est pas pour autant qu'on fait le travail, un travail super carré, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de travail en amont, mais en fait, tout est pensé pour que ce soit vraiment très strict, très sérieux, très rigoureux. C'est pour ça aussi que nous, on peut s'amuser à côté, c'est qu'on sait qu'à la base, tout est bien fait. Et pour Tokyo Lutz, et c'est pour ça que ça a pris plusieurs mois avant qu'on l'ouvre, il y a quand même pas mal de défis à relever au départ, non seulement la logistique, etc. Mais déjà, autant pour Tokyo Cards que pour Tokyo Lutz, on a un permis qui nous permet de vendre ces choses. C'est au Japon, ça permet de vérifier, c'est un gage de qualité en fait, ça permet de vérifier qu'on ne vende pas des objets ou des cartes qui soient contrefaites ou qui étaient volées ou des choses comme ça. Donc à tout moment, il y a un organisme qui peut venir chez nous et vérifier ce qu'on a en stock et nous demander où est-ce qu'on a acheté ça, etc., etc. C'est assez réglementé et on a fait vraiment très attention là-dessus. Et puis en plus de ça, il y a d'autres choses à côté à penser. Par exemple, le Tokyo Lutz, on va envoyer des objets qui potentiellement auront des batteries, des piles, des choses comme ça. Normalement, c'est pas possible d'envoyer ça par la poste. On a dû demander une autorisation spéciale et on est habilité à envoyer des objets qui ont des piles, des batteries, des trucs comme ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des boutiques un peu à la va-vite, ça prend juste quelques jours, ils se font pas chier à avoir des autorisations, des machins, ils font ça comme ça. C'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on veut vraiment être hyper carré, qu'il n'y ait pas de problème, que les gens aient pas de mauvaises surprises. Pareil pour les emballages, les envois, les taxes, etc. Tout est super bien fait dès le départ. Et aussi, les produits en eux-mêmes, mine de rien, ça prend du temps. Là, on est vraiment très sélectif, on n'est pas en train de ratisser, de prendre tout ce qu'on peut en jeux vidéo pour les revendre. Au contraire, on fait attention, surtout qu'on a un stock assez réduit au départ. On veut vraiment que ce soit des produits exclusifs. On a beaucoup de produits qui sont neufs, qui datent des années 90, 80, même 70 pour certains, qu'on a réussi à trouver. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Et puis, tous les produits d'occasion, ils sont testés, ils sont nettoyés et on les prend en photo sous tous les angles, sous toutes les coutures. S'il y a une micro-rayure, on va le prendre en photo pour que
la personne qui est devant son ordinateur et qui achète un produit reçoive un produit tel qu'il l'avait imaginé. C'est vraiment un service un peu premium qu'on veut faire. L'avantage de ces consoles là, c'est qu'on est sur des budgets qui sont quand même intéressants pour le collectionneur, parce que déjà c'est un truc qu'il faut avoir dans une collection, c'est les premières consoles Nintendo, et il y en a beaucoup sur le marché au Japon, donc elles sont pas à des prix déconnants. On en trouve même encore des fois des neuves. Faut chercher quand même, hein. L'esthétique du produit, t'as ça en déco, je trouve ça incroyable. C'est vrai, elle est vraiment... Autant il y a des consoles d'époque qui sont dégueulasses, autant celle-là, orange pétant et tout. House Sandman, c'est la première console Nintendo déjà sortie, mais en plus c'est la première console Nintendo édition spéciale. Et il y avait genre quoi, 5000 exemplaires. La collaboration avec une chaîne de ramen. Il faut m'expliquer pourquoi ils ont fait ça avec une chaîne de ramen, genre. Pourquoi ? Alors je vais t'expliquer. Non, j'en sais rien. L'argent. La thune. Bah ouais. Et elle est complète, t'as la notice, t'as tout. Et regarde l'état de la boîte, on est en 1977. Ah, voilà. Et ça va être en vente sur le nouveau site. Elle est impeccable, hein. C'est incroyable de trouver ça. Moi, je connais des collectionneurs qui cherchent ça, tu vois. Tu vois, on voit qu'elle est vraiment neuve parce que le fil, par exemple, n'a jamais été posé dessus. Le fil, avec le temps, ça creuse le plastique. Et là, il n'y a aucune brûlure. Elle a vraiment été gardée dans la boîte, juste comme ça. Tu vois, il y a une brûlure ici parce que le câble est comme ça. On a quand même des dingueries qui arrivent. On commence à peine, mais on a déjà un choix. Incroyable, tu vois, regarde l'état de celle-là, elle est incroyable aussi. Regarde, elle est trop bien. La champion TV Game, jamais entendu parler. Ça, on l'a pas, non. Est-ce que ça fleure pas bon les années 70? Qu'est-ce que c'est que ça? T'en as une dizaine de modèles un peu dans ce genre-là. La 401 ressemble beaucoup à celle-là. Allez! Une PlayStation 3 One Piece. Ah, et... qu'est-ce que j'ai moi? Oh, mais... j'ai une PlayStation 3 One Piece. Je vais pas vous le cacher, d'un point de vue exposition dans mon top des consoles. Incroyable, d'accord. Donc, j'en ai pas pris qu'une pour le site. Je me dis, si ça me plaît à moi... oh, elle est incroyable. Personnellement, j'en ai déjà deux. Oh, 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 oh. T'as fait la gueule de Mario. Carrément, regarde-moi ça. Putain, c'est Mario au pays de l'alcool, quoi. Ah ouais. T'as le truc de Superman héros. Oh, celui-là, il est beau. Hein. Mais même là, ils l'ont pas fait normal, tu vois. Ah ouais. Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit confessionnal. Le nouveau site de Ici Japon prend énormément de temps. Il y a tout ce qui est voilà, expliquer les consoles à l'équipe d'en bas, leur expliquer, savoir si un jeu fonctionne ou pas, si on... parce que des fois, genre, c'était compliqué. Des problèmes de féminin masculin, c'était une horreur. Et comme ça, sur un autre tableau, sur Excel, sur Google Sheet, elles peuvent choisir chaque produit pour changer ça, parce qu'en fait ça marche pas, ça donnait des trucs en français qui n'avaient aucune... Donc là, on est en train de repasser derrière tout ça. Du coup, ça, ces fiches-là, elles vont un peu changer, elles vont être moitié moins grandes. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est intéressant. C'est beaucoup de boulot. Il faut que le site soit prêt dans 5 jours. On a encore reçu un colis, comme vous pouvez le voir, avec marqué « Prière de vérifier votre colis ». Oh, il y a des marshmallows. Ta-da-da-da ! La manette Thrustmaster eSwap S. Oh, je savais pas qu'il y avait des manettes aussi. Et oui, ils font des manettes. Et ils font surtout la manette, attention, la spéciale, la toute dernière, spéciale pour ça. Ouais, avec un volant. Et oui, et donc avec la technologie volant là. Qu'est-ce que c'est que ça? Thrustmaster Product Name S5, c'est W, NXG, NCS, SGGG, Mini Stick Module. Qu'est-ce que c'est? Un Mini Stick Module. Bien joué. Oh, belle expérience. Oh. Ah, moi aussi, regarde, ça saute comme un livre. Elle me fait penser un peu à la manette Xbox Elite. Jamais eu des gâchettes placées comme ça, regarde. Attendez, moi je vais mettre le module. Module. C'est rare qu'il y ait des manettes qui soient pas les manettes Xbox officielles, qui soient... C'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir des manettes de merde. Oh, le clap. Oh, j'aime. C'est un coup de poing américain, mais en mousse pour pas faire mal aux gens. Ah non, il va me taper. Ouais, ça fait mal. Bah moi, ça m'a pas fait mal, mais après, je sais pas toi, t'es peut-être un peu... On n'est pas sur un segment sponsorisé, on est sur un segment pré-sponsorisé, parce qu'on prépare une sponsor Thrustmaster, là on est juste en train de les rincer, d'accord? Non, c'est à moi! On est à peu près 10 jours du lancement de la boutique. Ça a pris vachement de temps parce qu'avec l'hôtel et tout, voilà, on était à droite à gauche. Là, maintenant, on se concentre vraiment sur le nouveau site.
Et ici, c'est la partie tout ce qui est en attente. Donc les consoles, les jeux à tester. Ici, on a une petite station de nettoyage. Parce que tout ce qu'on va vendre qui n'est pas neuf va être check. On va nettoyer, faire en sorte que ce soit le plus beau possible. Que ce soit la boîte, que ce soit l'intérieur, que ce soit le jeu, etc. Ici, station de test. Tout ce qui n'est pas neuf va être testé. Aussi bien les consoles que les jeux. Et une fois que tout ça c'est fait, ici, prise de photos. Et comme on est virtuel, on n'est pas une boutique, on veut vraiment mettre, faire en sorte que vous voyez bien ce qu'il y a. Les photos sont prises sous toutes les coutures pour qu'on se rende compte que bah, la couleur, la console, elle n'est pas jaunie, etc. Donc on met vraiment l'accent là-dessus, ça prend tellement de temps entre nettoyage, test et photo. On va pas mettre 50 articles par jour, on va en mettre juste quelques-uns, mais ce sera de la qualité. Et ici, on a la première étagère qui commence à se compléter de produits qu'on a testés, emballés, numérotés, etc. Déjà, on a, regarde, les Game Boy Color et tout qui ont été bien emballés. Les Game Boy, dont certaines sont neuves. Ici, on a 4 Super Famicom qui, je pense, sont toutes les 4 neuves et c'est assez exceptionnel. On a 4 Super Famicom, 4 Super NES qui sont neuves. Donc voilà, ça avance petit à petit. Et l'objectif, c'est de remplir tout ce qui était Candy San de produits comme ça. On va voir dans combien de temps, on y arrive. Et puis là, Tokyo Cards qui commence à devenir assez sympa. Il y a beaucoup de trucs différents. Alors, je vous avoue qu'il y a des trucs, des fois c'est vous qui les demandez, donc je les connais pas. Mais le problème qu'on a, c'est que dès qu'on rentre un truc, ça ressort. Là, tu vois, Tristan, il a ouvert les classeurs. On a reçu un truc, il en reste un sur tout ce qu'il a montré la dernière fois. Donc c'est pas facile d'avoir du stock, mais quand même. C'est pas déconnant pour un truc qu'on vient juste de commencer, puis on a le One Piece ici. J'ai tellement hâte que cette place soit remplie et qu'il y ait plein de trucs différents et qu'on soit comme dans une caverne d'Ali Baba avec que des trucs d'exception. Là, ce que vous voyez, c'est la naissance hein, vraiment des trucs. Donc rendez-vous dans un an, dans deux ans, dans trois ans pour voir commencer. J'espère qu'on n'aura pas assez de place ici. C'est parti pour le deuxième confessionnal du petit Léo. Ces derniers temps, j'ai bossé sur beaucoup de projets différents. Tokyo Card, Onamae-sama, Tokyo Loot. J'ai repris en gros tout ce qui est l'aspect juridique des sites. Vous savez, c'est le truc qui est en bas, ultra chiant, que personne lit. C'est les mentions légales, les conditions générales de vente, politique de confidentialité. Donc ça, j'ai tout repris. Sinon, ces dernières semaines, vous m'avez aussi vu travailler sur les hôtels. On a fait un petit manuel qui sera disponible en imprimé directement dans les hôtels. Et en gros, ce manuel, il va comprendre plein d'informations pour vous faciliter la tâche au Japon. Il va y avoir des activités qui sont proches des hôtels. Il y a des restaurants qui ont été recommandés par Mitsu, Tev, Louis. Tout un tas de restos qui sont recommandés et testés par nous. Vous voyez ce billet de 10 000 yens, ça vous rappellera peut-être une émission. Nous allons l'utiliser pour... C'est une référence à l'émission 10 000 yens que faisait Benoît avant. Donc nous allons tester, comme la dernière fois, un nouveau restaurant. Pour. Il n'est pas nouveau, ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Mais voilà. C'est pour... C'est pour vous le conseiller, pour ceux qui viendront à l'hôtel, pour mettre le patch ici Japon Village approved. Attends, si c'est bon, parce que ça se trouve, c'est pour ça. Hein, bah, c'est pour ça, c'est le but d'une review en fait. Attends, mais à la tête, ça a pas l'air d'être un resto là. Ça m'a fait flipper. Fous-toi de ma gueule. Si, c'est bon, il y a des si, c'est bon. Ouais, c'est bon. On est vraiment en mode Showa là, c'est tradition pure et dure. Petit souci, c'est que le menu, bah. C'est ça quoi. Donc si vous savez pas parler japonais, c'est un peu compliqué. Mais après, j'ai l'impression que tous les restos ici, c'est comme ça. Oui, dans cette rue-là, ouais. Enfin, regarde le truc d'incendie là, comment il est Louis. Tu vois, c'est rigolo parce qu'on voit l'entrée du restaurant là-bas et ouais. Visiblement, ils ont fait un shooting photo, t'as vu, assez stylé. Ah. Mec, donne-moi le truc pour les merdes. C'est celui qui est tout gras et dégueulasse qui va coller, vas-y. La bouche ? Non, non. Si. Ah ouais. Ouais, c'est gras, ça colle. T'as l'air bon, mais... C'est rempli à moitié quoi. Oh comme ça. Mec, ça a l'air incroyable par contre. La sauce roux, elle est incroyable. D'accord. Hein. Il y a un truc là-dessus. Petite review. Franchement, c'était délicieux. Ouais. Mais c'est pas si cher que ça. En hein. Fait, sachant qu'on a repris après quelque chose, 9400 yens. Je recommande, personnellement. Bon, encore une fois, il faut amener du cash parce qu'il n'y a pas... Y a, carte de crédit, c'est zéro. Raconte-nous tes bêtises à la caméra, là. Non, mais c'est bon, j'ai encore oublié de demander le reçu pour... Ça fait deux fois, mec. Deux fois, bah t'aurais pu me le rappeler aussi. Hé, hey, c'est toi qui vas payer. Bah oui, parce que c'est moi qui ai l'argent, mais... Et donc, du coup, on perd du temps. Et c'est qui se fait taper sur les doigts, après? Bah, c'est moi. Voilà. Tokyo Loot, c'est officiel, c'est lancé. Et vous avez déjà pas mal de pièces d'exception dessus. Vous avez, par exemple, regardez, des pipines, la console de Apple... qui sont neuves, des Famicom neuves, des Super Famicom neuves, des Virtual Boy, dont un ou deux qui sont neufs d'ailleurs,
On a plein de jeux, dont des jeux neufs aussi, de Virtual Boy, des accessoires, des câbles, des écouteurs de Game Boy, des Game Boy Color, des Game Boy qui sont neuves. On a aussi les consoles mini qui sont sorties au Japon, Famicom, Super Famicom, l'édition Jump, on a des petites bornes d'arcade. Ça, c'est juste une partie, on en met de plus en plus en ce moment. Je sais pas exactement ce qu'il y aura à la sortie, mais tous les jours, il y aura des nouveautés. À partir de maintenant, la première console de Nintendo, vous en voyez une sur cette étagère, on en a au moins une vingtaine à nettoyer et à mettre en stock. TokyoLoots.com, c'est parti! Tout à l'heure, je pars et en partant, je prends un caramel. Ouais. Et sur la trottinette, je me dis, putain, mais il y a des morceaux de fou dans ce caramel. Il m'a arraché un plombage. Oh merde!